Pour nous, l'intérêt ici de venir échanger avec les élèves sous-officiers de Rochefort, c'est bien entendu de leur faire voir un petit peu la concrétisation de ce qu'ils sont en train d'apprendre ici sur la base et pour avoir une idée de ce qu'ils vont pouvoir faire ensuite au niveau opérationnel sur un navire opérationnel qu'est le Rafale Mipas. Alors bonjour, je suis le sergent Romain, j'ai 21 ans. Je suis rentré dans l'armée de l'air et de l'espace en décembre 2021 et j'ai fini mes classes en avril 2022 et je suis en devenir un mécanicien vecteur moteur. Donc c'est essentiel d'avoir un bon binôme équipage-mécanicien parce que le mécanicien est celui qui va mettre en œuvre le Rafale. Et donc sans cette spécialité et toutes les spécialités des mécaniciens, les pilotes ne pourraient pas tout simplement partir pour les missions opérationnelles qu'on nous demande de faire. Le message que j'aurais envie de faire passer aux jeunes aviateurs à Rochefort, ça serait de vraiment garder cette motivation, de garder une bonne force de travail aussi. Et justement, on est là ici avec ces rafales pour leur montrer que la finalité, elle est extraordinaire et qu'on fait un métier hors du commun. Mes ambitions au sein de l'armée de l'air et de l'espace, c'est d'intégrer un escadron de chasse opérationnelle et de pouvoir partir en OPEX. C'est déjà le fleuron de l'armée de l'air et c'est un avion ultra puissant. Travailler sur cet avion, c'est une chance. Je suis impressionné parce que c'est la première fois que je vois un Rafale. C'est un effet waouh parce que c'est une belle machine qui est assez polyvalente. On peut tout faire avec le Rafale et comme par exemple, il participe à la dissuasion nucléaire aux intérêts de la France.